attendez pour vous présenter cette émission. Voici Annie Pujol et Christian Morin. Merci Eric, bonjour. Bonjour à William, Christine et Bertrand. Je vais tout d'abord vous présenter. Bertrand, vous êtes employé de banque. Oui, oui. Dans cette bonne ville d'Orléans. À Orléans, à Orléans. Voilà, les loisirs, je crois qu'il y a un petit peu de vélo. Hein. Oui, beaucoup, beaucoup. De quelle manière dans la Beauce, c'est plat, alors c'est facile de vélo. J'habiterai dans les Alpes, peut-être que j'aimerais même moins quand ça. C'est plat, il faut toujours, même si le vélo est un vélo très évolué, il faut toujours pédaler. On connaît bien le principe. C'est le problème. Mon cher Bertrand, je partage ce goût de ce sport avec vous. À vos côtés, Christine, je ne sais pas si vous faites du vélo, Christine. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes esthéticienne, c'est oui, cela absolument. Et vous habitez où? À Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt. Oui. Pas de sport du tout dans votre vie? Un petit peu d'équitation. Ah, un petit peu d'équitation. Mmh. Et vous ramenez le cheval chaque soir chez vous? Non. Non, enfin, je l'emmène au manège. Écoutez-les en train de plaisanter. Bien, ma chère Christine, bonne chance. Merci. Et enfin, William, supporter. William, avec les copains. Ah, il a les copains. Alors, ça, c'est très bien. William, votre profession d'abord. Je suis grossiste en lunettes fantaisie. Grossiste. En lunettes fantaisie. Monture de lunettes fantaisie. C'est-à-dire la monture peut-être de n'importe bleu, quelle couleur. Vert, bleu, vert. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge aussi. PSG. PSG. Alors parlons-en du PSG puisque vous êtes un ardent supporter. Belle équipe. Belle équipe. On va avoir une belle saison. Mais oui, mais je crois qu'on va avoir une belle saison. Et non, en plus, ça sera dur, mais on va y aller. Est-ce que vous avez pratiqué vous-même ce sport? Football un peu, mais pas trop. Quelle place? Pas trop, avant-centre. Avant-centre. Je courais pas trop vite, un peu. Ah oui, ça veut dire. Un peu le bourrelet. Eh bien oui, le bourrelet. Toujours. Eh bien oui, un petit peu de régime, un petit peu de sport, voilà. Un petit peu de vélo, et vous serez parfait. Et l'équitation avec la dame. Comment, l'équitation avec la dame? Non, mais enfin, William, qu'est-ce que ça veut dire, l'équitation avec la dame? Excusez-moi. Non, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez dire que vous l'accompagneriez à cheval? Bien sûr. Ah, bon, me voilà rassuré. Bien. Il faut découvrir un lieu avec deux traits d'union, Christine. Alors, 3000 francs. Un T. Un T. Deux. Ouais. 1500 maintenant, Christine. Un V. La lettre V, non, hélas. William. Allez. Là, je gagne du toujours, là. Ah non. Ça n'a rien à voir avec la parodie de la roue de la fortune, bon, avec les nuls. On va valoir du pognon quand même. Pardon? Elle va valoir du pognon. Mais oui, mais justement, c'est pour ça qu'elle n'est pas à vendre. Ouais, et pas mal, hein. Quoi? Elle a pas l'air contente. 4000 francs, William, une lettre. Elle a pas l'air contente, hein? Si, si, elle est ravie. Je me marre. Comment? Je me marre. Elle est bonne, hein? Mais je vous en prie, on est là pour jouer, cher ami. Oui, je sais, mais... Non, mais là, vous avez dépassé les 5 secondes, 4000 francs. C'est 5 secondes, alors je propose un M. Un M. M. Oui, il y en a un. Et je gagne en plus. Eh oui, alors continuez. Allez. Allez, c'est parti. C'est bien, non? Ça te plaît, non? Non, mais attends, c'est grave, là. Je ne vous ai pas toujours pas mal. Non, non, attendez. Soyez un peu correct. Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Soyez un peu correct avec mademoiselle, c'est oui, tout ce que oui, je veux. Tu as vu que je ne suis pas correct. Je te dis touché la pas... main, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, mais alors, attendez. C'est parce que je gagne que tu veux m'éliminer, c'est tout. Quoi? Ah non, je vous en prie, ne commencez pas à le prendre comme ça, parce que c'est moi qui vais me foutre en pétard. Mais pourquoi j'allais vous foutre en pétard? Hein? Parce que vous avez à être correct avec mademoiselle, hein? Vous faites votre numéro et puis c'est tout. Quel numéro alors... je fais un numéro, moi? Vous jouez normalement, si vous voulez. Je suis venu jouer pour gagner comme tout le monde, parce que je gagne, vous me renvoyez chier, là. Non, je vous renvoie pas chier d'abord, soyez poli. Comment je suis poli? Je l'ai à peine touché la poufiasse, là. Non, mais alors, écoutez, soyez poli, alors je vous débarque du jeu, sinon. Pourquoi? Je vous débarque, soyez poli avec mademoiselle. Alors, je vous offre des lunettes chez moi. Hein, mais je m'en fous des lunettes, on n'est pas là pour... Je vous en prie, Monsieur soyez Morin, correct. Ça vous soyez correct, s'il vous plaît. Mais je sais pas incorrect, c'est elle qui raconte n'importe quoi. Ne la traitez pas de poufiasse. Vous voulez pas que je vous offre des lunettes? Hein, alors vous jouez normalement. Vous voulez pas que je vous offre des lunettes? Vous jouez normalement, s'il vous plaît. Parce que je vais vous dire une chose. Oui, ben dites-moi. Je vais vous dire une chose. Oui. Si je vous offre des lunettes, vous me reconnaissez. Ah oui. Vous reconnaissez. Vous me reconnaissez, oui. Oui. C'est, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Ou alors vous acceptez pour jouer. Oui. Hein? Vas-y. Ah. Vous acceptez. Comment? Oui, non. Vous acceptez. Oui, non. Je... Hein? Sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, j'enlève les lunettes. Et alors? J'enlève mes dents. Oui. Et t'as le bonjour, Patrick Sébastien. Oh, c'est génial.
Oh, comment t'es monté! Oh, c'est génial!